Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Palmis ak Mapo Lakay. Je dis à nous te vle et font-y parler de visa bulletin. Et peut-être nous pourrons aller online pour nous aider à qui j'en ai le visa bulletin. Ça veut dire qui moun ke li affecté. On nous dit visa bulletin, c'est un bagay yo choti chaque mois. Actuellement, on regarde DM nan la. Visa bulletin pour décembre nan gen tan sorti. OK? Ça veut dire, on essaie de comprendre. Visa bulletin li en fait, c'est lui-même l'el sorti qui bon indicateur qui dit OK, yo te font application pour ou mais visa la prêt ou capable utiliser. On parle de visa immigrant. Pas oublier lorsque mon enfant application pour ou, et que ce soit en Haïti, que ce soit aux États-Unis, faut que visa disponible. Exemple, yo mette moun yo par différentes catégories. Ça veut dire les offrir une application pour vous et puis yo voye un approval ba ou. Gen pile moun ki content, oh, approval gen résidence. Ou gen approval pour une demande. Et tout moun c'est kit c'est madame, kit c'est petite, kit c'est frère. Whatever là, c'est toujours I wonder dire. Ou gen yon approval. Mais question pour poser était tout, est-ce que visa li disponible nan moment? OK. Si li disponible nan moment, alors là ou bon, ou ka just al fè sa ou gen pou fè ou. Ça veut dire si c'est Haïti, ou al rempli visa application à travers NVC, nan système là ou ap login. Si c'est aux États-Unis, ou faire reste démarche là qui c'est deuxième papier ça pour résidence ça c'est lui même nous relé adjustment of status c'est lui même nous relé adjustment of status c'est les visas disponibles ou capable faire adjustment of status gien un bon monde qui pas besoin garder visa bulletin nous capable citer mais monde qui visa bulletin il pas besoin le garder c'est qui est c'est ça nous relé immédiate relative de US citizen monde ça il pas besoin peut-être qui ça monde ça débutant de ou fin approuve même côté à visa ou disponible. Immédiat relative de US citizen, qui est-ce qui immédiat relative? C'est mari ou bien madame US citizen. OK? Maman ou bien papa US citizen. Moun sa yo ba visa bulletin chaque mois pour regarder pour connaître si visa là pas pour yo. Et qui jan si moun sa yo ici aux États-Unis, yo gen a pou yo ka voye tout dossier sa on seul coup parce que moun nan etan la il pa besoin d'attendre pour valon etan la voye I want to dire li tout voye adjustment li on seul coup parce que visa l toujours disponible m'a parlé de maman papa yo citizen si la Haiti depuis yo fait application pour li et même côté la prouve là même côté a li metal dans système là li ka fait application visa li pa gen pou le retendre parce que visa moun sa toujours disponible. Petit US citizen tout, mais faut préciser. Alors là, c'est petit US citizen qui en bas 21 ans que visa est toujours disponible. Donc, il veut dire yon petit US citizen qui gagne plus que 21 ans, la gagne pour la garder visa bulletin. OK? Yon frère ou bien yon seul US citizen, la gagne pour la garder visa bulletin. Yon petit US citizen tout qui marié et ça fait yo mette dans différentes catégories tout petit US citizen qui marié à tout faut la garder visa bulletin li non catégorie ça veut dire qui ça lorsque on a de son petit US citizen qui plus que 21 ans ou bien ou ta yon petit US citizen qui marié les ou font application pour ou gen approval faut tan question pour le poser est-ce que visa m'lan disponible c'est ça nous va le là qui j'en pour garder est-ce que visa là disponible puisque automatiquement visa là disponible ou qu'elle fait l'autre démarche là qui c'est ça nous relé adjustment of status là aux États-Unis pour garder résidence si c'est Haïti c'est ça nous relé et appliquer pour visa. Maintenant qu'en est-il de permanent résident? Permanent résident ça nous constater ces derniers jours yo vinn tant que US citizen pour mari avec madame. Nous bien répéter pour encore nous constater il pas obligé comme ça non, il pas obligé. On dit nous en 2022, nous constatons mari avec madame permanent résident statut toujours current. Current nous le dit visa
là ça veut dire ou ka fait le même genre de citizen ou vous il aller depuis elle current il veut dire si c'est ici ou faire adjustment of status ou si c'est Haïti ou dégager de vous tendre current. OK, donc permanent résident encore une fois mari avec madame pour 2022 yo toujours current. Et moi ouais peut bon vont regarder monsieur moi même pour petit bon pas fin sûr n'al vérifier et ça t'assemblé pour petit yo tout parce que mari avec madame yo même mettil même côté avec petit en bas 21 ans et donc c'est ça ouais que présentement pour 2022 mari madame petite qui en bas 21 ans permanent résident yo presque yo fait on dit autant qu'on immédiat relatif pour moment on parle avec quoi. Mais tel n'est pas toujours le cas. Faut vérifier l'éligibilité pour voir si le current. M'a parlé de mari, madame permanent résident, petite qui en bas 21 ans s'il vous plaît. Maintenant pour petite qui gagne plus que 21 ans permanent résident, faut regarder l'éligibilité. Pour qu'on ait est-ce que jour arrivé, lundi jour arrivé, est-ce que date arrivé pour faire deuxième étape là qui c'est adjust status pour carte résidence ou bien si c'est Haïti mounaye ou à login dans le système qui est NVCA pour faire application visa ou ensemble de bagages. Donc, il y a des séries de monde, il y a toujours, les qui sont fin approuvent, il faut que vous consultez la visibilité hein, et pour vous voir, est-ce que la visa est disponible, tant que frère avec soeur, il y a un pile de temps. On a regardé, il faut pas l'empile, on a regardé un exemple de visibilité, ben, moi montrer nos screens. Moi. OK, là moi écoute gars, moi sur Google, bon faire plus fort, bon faire plus gros pour nous. Moi sur Google là, moi n'ai tapé visa bulletin. OK? Ouais ça paraît de visa bulletin travel.gov. Li tout bon moi pour mois de novembre, si m'd'avle. Ou bien tout me cliquer sur li tout parce que si me besoin décembre là parce que moi j'aurais tant sorti décembre là. Si me cliquer sur li, de vous taper visa bulletin sur Google et ça paraît. Ouais, mais écoutez le bon moi. Li bon moi exactement pour décembre dernier. OK? Dernier. Donc on va regarder pour décembre. OK, ou a un bon français et dans tableau, a un pile bagaille. Mais faut qu'on qui ça pour garder, gen moun qui kon rive la moun a trouvé le confuse, gon pile bagaille. Mais côté pour m'a chercher ça me besoin. Posez-ou un bon tableau, premier ça avant à li tableau, faut qu'on qui catégorie, ça nous relé family sponsored. OK, bon. Nous pas besoin de tout ça, on a regardé. Family sponsor là c'est li ka di ki moun ouyé. M'a bo deux trois exemples. F1, attendez bien, yo rele F1 c'est unmarried son daughter of US citizen. Ça veut dire c'est petite US citizen qui pas marié. Yo rele yo F1. OK. C'est F1. Et pour qu'elle comprenne tableau, faut qu'on ta tout ça veut dire. Yo même gagné 24 000 visas et plus, OK, par année. Et comme ça vous comprenez. OK, c'est F1. Et gagner F, vous parlez de spouse children unmarried son daughter of permanent resident. Ça sont l'autre. OK, spouse children permanent resident. Et dire reste bon c'est reste à calé. Vous voulez dire reste à calé pour spouse. Maintenant, F2A c'est spouse children of permanent resident. Ça veut dire et là depuis F2A c'est pour mari madame permanent résident avec petit monde quand bas 21 ans ouais ou fait au fond seul et puis ou gagne F2B c'est unmarried son and daughter of permanent resident. Ça veut dire c'est petite permanent résident qui gagne plus que 21 ans yo relé au F2B. OK, by the way moi voulais rappeler que petite permanent résident tout temps n'a dit ça monsieur maman qui connait suivre moi connait. Et si vous êtes petit permanent résident, il fait application pour vous, ou allez marier ou tout balade. Parce que pas de classe ça. Pas de catégorie pour married son daughter of permanent resident. OK? Donc, vous ne pouvez pas reconnaître causé et sous allez marier et que parents sont permanent résident depuis vous arrivez dans l'interview. N'importe les US à tout, il y a deux ans et vous avez tourné dans le pays, nous parlez de poteau. Donc, il faut qu'il y ait ça dans la tête. Donc on dit ça souvent. Tout le monde qui est sur Chanel, nous on connaît ça et tout le temps on a parlé de ça. F3 lui-même c'est married son and daughter of US citizen. Ouais, il dit US citizen petite li ka marié. Yo il est F3. Mais et permanent résident petite là pas ka marié, dès pour marié ou pas dans affaire monde.
Et puis dernière catégorie c'est sœur avec frère ou citizen. Donc c'est ça pour qu'on ait ou bien F4. Maintenant on allait. Tableau ça premier tableau on pas besoin garder peut-être qui ça. Premier tableau lui indique tout simplement côté classe qui ta un petit genre over subscriber gain plus trop monde là dani bagay ça yo. So tableau qui intéresse là c'est tableau B. Parce que c'est tableau B, c'est lui même qui a dit ah, les arrivés, il faut me dégager me là pour mal remplir visa puisque yo finalement date m'a tan yo reçu date me connaît ouvrir à pouvoir ça, visa me dans reçu disponible. Parce que chaque mois date yo a changer, faut connait dans qui date. Maintenant faut connait qui date, dans ça les dates là. Là ou fait faut application pour vous changer date. Dans premier reçu après gon bagage qui les priority date. C'est lui même qui date. M'a connait c'était fait application en 2009, 2008, 2007, 2003, m'pa konn. Mais li gen bagay ki rele priority date et c'est li ki date wa. OK? Maintenant, dès pour tableau arrivé sous date wa ou bien même les grand temps dépassé, vous comprendre? Donc ça veut diviser là était disponible longtemps, c'est ou pas de comme ça depuis arrivé sous date wa. Enfin, on va regarder F1. C'est ça veut bien le tableau B. F1 qui ça li F1 c'est un Maredson daughter of your citizen. OK. Là on dit moi F1 un married son. Ça veut dire c'est petite US citizen qui pas marié et on dit moi yo nan 8 août 2016. Ça veut dire 8 août on parle de China, bah ça va intéresser le Mexico. Nous nan parti ça premier colonne. F1 c'est petite US citizen qui pas marié. Yo dit actuellement nan yo nan 8 août 2016. Livre dit qui ça? Tout monde que priorité de toi 8000 2016 ou bien avant date ça. Ça veut dire yo monde qui en juillet 2016 ou gen temps bon et ou pou te gen temps dégager ou. Ça veut dire juin 2016. Vous comprenez? Ou te gen temps bon. Mais sou absolu chaque mois kou ouvi sou ou gen temps connait. Donc tout monde qui c'est petite US citizen qui pas marié et que ti reçu ou te voye ba ou ben approuval là. Priorité de tout par exemple, on dit priorité de tout c'est octobre 2016 yo pou ko rive sou mais on dit ayo presque rive sou moi met fon ti pan mais décembre la sorti m'a tan les janvier bagay pour moi qui côté oui moi exemple on a dit que yo t'ai écrit dans octobre 2016 on dit quête là presque bon et ça c'est pour décembre m'a retourner en janvier pour me garder qui côté a privé on a dit ou t'apparaît janvier et pour boum yo gen tan en novembre 2016 on exemple on dit ah ou bon sou yo même côté a ça pour faire ou sous aux États-Unis eh bien ou al jouer dans un monde qui compte préparer ou al préparer package ou adjustment of status ou tout bagage donc c'est date là seulement à attendre pour si on arrive sous date depuis on arrive sous date il dit c'est moment arrivé soit Haïti tout date arrivé ou dégage ou venir préparer encore qui peut aller dans système là côté pour remplir visa font bonne notre bagage autre c'est ça veut dire on arrive sous date donc tableau ça li la pour voir est-ce que vous arrivez sous date moyen priorité date moyen donc pour toute petite US citizen là par contre qui l'a été fait application pour là si vous avez fait application pour en 2017 pour yo pas arriver sous ou bien pour tant parce que actuellement là yo nan 8 ou 2017 mais si vous avez fait application en 2015 yo arrivez sous longtemps au contraire ou ka nan problème tout parce que si vous font bagay yo rive sou ki te 1 an yo pa jam tando yo ka pense eva go bay tout ça important et gen des moun yo kan cancel visa yo puisque 1 an passé 2 ans passé yo pa tando yo cancel li ou pa besoin les pas dire konnen pa konnen business pa ou te supposé konnen et comme ça oui vous comprenez ou te supposé konnen OK c'est F1 c'est pour j'en nous dit à la petite US citizen qui pa marié qui gen plus que 21 ans parce que ouais toute différence là parce que ça marié sont l'autre catégorie. Mais regardez pour FDB, mais ça m'a parlé nous. FDA, pas oublier que nous dit c'est mari madame permanent résident ou bien petite permanent résident en bas 21 ans. Yo mettez C current nan le dit dans moment là même, li vin tan kou US citizen parce que visa a disponible même côté là. Sauf le cas même voyer là l'ensemble parce que le current. Vous comprenez? Ça veut dire son mon nou permanent résident qui vient sous visa là. Ou di a m'a tout fait monsieur rete. Ou fait application non voyer aller. Dans moment là, ou bien attendu ouais parce que m'check tableau, si US citizen pas ta bien check tableau nous.
là niveau il aller. OK, mais parce que tableau a dit current donc on ca fait. OK. Maintenant F2B bon mal faut regarder. F2B a yo dit c'est un married son and daughter of permanent resident. F2B a c'est petite permanent resident qui gagne plus que 21. Ou yo dit ça pas marié. Vous comprenez? Il gagne plus que 21. Yo nan et janvier 2017. Ça veut dire si vous êtes petit on permanent résident là qui te gagne plus que 21 ans, par contre qui date vous te fait application là, depuis qui date parce que mon avis date me connaît faire application moi papa j'aime dire hein, ça va dépendre de c'est cas ça gagne plus que 21 ans. Maintenant si vous te font application pour en 2018 ou beaucoup arriver sous 2019 ou beaucoup 2020 beaucoup qu'a parler de bon en 2017 oui parce que en moyenne j'en m'a regardé le plus souvent petit permanent résident qui gagne 21 ans par expérience n'importe 5 ans en moyenne 5 à 6 ans. Vous comprenez ça? Nous en 2022 là, 5 à 6 ans et ça le prend en moyenne. OK? So c'est ça pour yo en 2017 là. Vous comprenez? So vous mettez 5 ans sous lui ou ça me dit là en moyenne. Donc ça veut dire ça ou même qui c'est petit permanent résident qui gagne plus que 21 ans. Si vous faites une application pour bakone en mars 2017, vous pouvez arriver sous ou pral tan parce que chaque mois ou bay bulletin le cours janvier a sorti à regarder pour de vous ta arriver en mars ou bon on veut dire ça sous site on dégager prend papier ou al faire adjustment of status. Once si c'est Haïti, mon n'a dégager tout pour login dans système là faire application, payer visa, payer affaire de votre support. Upload papier, fait tout ça capable parce que date l'arrivée. C'est ça veut dire l'autre vous n'avez pas mon a dit gars pile ou rien mais date nous connaît mon approuver de fabrication longtemps. C'est parce que date mon ça pas qu'on arrive. Ça nous les priorités date mon n'a pas qu'on arrive. C'est comme ça vous comprenez. Et mais tête fait mal là c'est mon ça yo en pile mon. On a regardé F4. C'est lui nous les border sister et border sister US citizen même mon ça c'est mon ça qui prend zan ou imaginez où c'est frère ou bien c'est un US citizen actuellement yon en 2007 god damn it décembre 2007 maintenant j'ai dit parce que 2008 yon en décembre donc il doit dire 2008 vous comprenez parce que décembre 2007 sans grand moi on a dit en janvier 2008 parce que très certainement coup janvier arrivé là il y a dans 2008 bon anyway il y en a 15 décembre 2007 donc imaginons nous en 2022 guys ça veut dire 15 ans hein bon va fin dire bon dit 14 ans parce que on arrive en décembre mais nous en décembre tout bon mettre dit 15 ans même et décembre pour décembre 15 ans ouais nous qu'on a dit 13 ans li variable. Là, c'est 15 ans. Faut pas être fait mal, ça. Frère avec ça. Bon, en tout cas, et des fois, tu as décourageant, même de tout, je dis tout le monde, écoute, c'est lourd gagné, zami pam. Si c'est lourd gagné, ou pas gagné l'autre choix, non? Et faut qu'on fasse. Même là, c'est lourd gagné, ou pas gagné l'autre. Ou fait les bons pile comme $535. Simplement pour faire. Et puis, et qui m'a dit ça, on prépare à payer. Et même tout le monde, même les autres, 15 ans, whatever, 14 ans, qu'on fait une citizen faire pour lui. Bien. Et ça, rien, c'est chercher $535, ou bien 10 mounes avant un cabrit, et marron, on bœuf en Haïti, whatever, faire le mettre là. Ok? Et il gagne. Même l'autre a vint mourir, capable de gagner ça, on joint sponsor qui a fait le vini. OK. Donc nous on va gagner pays, c'est on l'en fait gagner. OK. Et by the way guys, bon bagage m'ta vle nous garder avec. C'est bien que ça va intéresser nous tellement. Mon dans pays Mexique, son bagage était chargé. Bon font petit garde on bagage bien rapide. Bien que ça. Est-ce que si m'ta retourner dans petit US citizen qui pas marié. Soyez me dit non au 2016. Mais est-ce qu'on est un monde qui dans pays Mexique? Il y en a 2002 avec yo. 2002 veut dire qui ça mes amis. 2002 veut dire 20 ans. Baka quoi bail ça non. Mon nan pays Mexique, ça fait y a traversé frontière comme ça tout yo même. Comme son habit.
Moun nan pays Mexico, en lop en Mexique, on va être chargé par Israël. Enfin, yo gen des séries de catégories. Vous avez dit moun nan Mexique, franchement, yo pas besoin de faire application. So, guys, m souhaite que nous comprenons ça nan di la. Ok? So, m pense li clair catégorie. Et avait dit ou même qui dit yo fait application pour moi longtemps besoin qu'on ait est-ce que date là beaucoup arrivé pas pour interview non mzo pour aller faire pour payer visa faire l'autre démarche sur ici tout pour capable faire adjustment sur ici légal tout ça là dans grand gens ici ou même capable de traverser frontière ou gain application ou va le faire il a accepté mais quand arrivé dans interview on compte ça officier Abdou et monsieur l'aime garder dossier là là moi ou gain rendez-vous dans côte m'pa ka di rien non tout autant que côte là pas prononcer li gain raison il dit m'pa ka di rien non si côte là pas prononcer de vous gain rendez-vous dans côte ou gain ça relé notice toi pire et ou gain pour parler devant juge bien côté grand dossier dans main ouvre mais connait là ou vinn grand l'autre dossier devant juge juge là gain priorité plus pouvoir passer non. Sinon, bon résidence, là, il comme si nous disions, je la fais même bouche, il n'y a pas de pouvoir encore, puisque nous avons une bonne résidence. Bon, si vous avez une résidence, ça, le juge pourrait le dire. Vous comprenez, docteur? Comme ça, vous comprenez? So, guys, nous avons justement, je dis, remarquez bien aller dans le tableau B. Vous comprenez, notre tableau en bas, vous ne pouvez pas intéresser. Ça, c'est pour employment base. Vous comprenez? Ça, c'est mon qui a besoin de résidence sous base travail. Vous ça me dit là? So, employment base. Nous ne pouvons pas garder ça vous-même. OK, ça y est diversité par nous contacte diversité ça y est c'est visa l'auto l'autre visa. Comment ça me dit là? So nous te concentrer nous simplement sur tableau B. Ouais tableau B dit date pour moi rempli et visa application et ça le dit. Et dit moment arrivé pour remplir visa application bien entendu si mon en Haïti et si mon en ici moment arrivé pour le dégager pour le voyer package ça nous relé adjustment là qui pour bali ça nous relé résidence là. Donc voilà, nous gain longtemps nous pas parler de visa bulletin. Donc je dis à nous te vle vinn faire et yon ti l'école avec zanmi nou yo pour nous te expliquer yo de fond en comble qui ça bulletin visa bulletin. Donc pour résumer, ou même que maman fait application pour longtemps a dit que et maman fait application pour moi longtemps. Papa me fait longtemps, bah j'aime tant de rien. C'est parce que tu as certainement un visa bulletin. Peut-être parce que ou son monde qui marié, la printemps, bah par contre si me démontre non sous tableau à monde qui marié, par exemple combien yo, bon exemple. Donc marié pas pour permanent résident non, encore une fois. M'a parlé de US citizen qui marié et monde qui marié yo là que connait te dire encore, c'était marié à c'est F3. F3 yo na 2009. Yo na 2009, ou ka comprendre. So 2009, 2022, 13 ans. God damn it. Mais Maria vin wo, Maria te konn nan 8 ans devan, hein? Novembre 2009. Wow. Yo na novembre 2009. Maria pa konn tout bagay kon wèl chanje. Maria pa konn, Maria te konn 8 ans yo ne, il était qu'on a 8 ans yo 9 ans yo, mais là il prend vitesse 13 ans, il presque a fait compétition avec frère accès parfois était qu'on a ça comme nous chaque temps varier frère accès était qu'on dit 12 ans 13 ans, mais frère accès là il presque 15 ans. OK, parce qu'il en 2007 oui. Bon, en tout cas je veux dire que nous comprenons bien et ça nous dit aux gars, c'est que l'idée là de parler de bail ça, c'est que ou même ou partager li avec mon ami, puisque bon ici là c'est un espace de formation, d'instruction, de lumière et pour communauté à vous capable venir et à la fois nous informer et nous former pour tout le monde. Pas oublier qui t'a voulu aider nous dans travail ça, si t'a voulu contribuer ou capable justement ou un petit bouton là qui marque thanks de pour virer doit être sur téléphone après le marque thanks ou capable contribuer en termes de donation quand ça tout ou capable choisir venir un membre channel là de façon pour encourager nous dans travail ça. C'était un grand plaisir et n'allez bye bye tout le monde.